depuis qu'il est papa. Et à vous aussi, Conforama. Remboursement différé par Samsung jusqu'au 22 janvier, voire conditions magasin sur conforama.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Et dans la suite du best-of, on va écouter Martin Garrix. Ce sera juste après les infos sur Énergie, les 7h31. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le nord du pays a priori le plus touché aujourd'hui par la tempête Eleanor, mais ça va également bien souffler aujourd'hui à Monaco et dans les Alpes-Maritimes notamment. On y revient dans un instant, le temps de vous annoncer également beaucoup de douceur pour ce mercredi, jusqu'à 20-21 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une bonne quarantaine de départements du nord de la France est donc en vigilance orange pour vent violent ou vague submersion. Ce matin, les Alpes-Maritimes et Monaco ont rejoint la liste. Des rafales jusqu'à 100 km/h prévues dès la mi-journée. Ça souffle déjà bien en Corse. Des rafales à 100 km/h qui pourront approcher les 200 au Cap Corse en soirée. Ça devra ensuite se calmer d'ici demain matin. Pas question de se calmer. La carte bleue commence même déjà à bien chauffer depuis hier à Monaco. Qu'on envoie des soldes sur le Rocher une semaine avant les Alpes-Maritimes et quasi toute la France. Vendredi, ce sera à l'Italie de se lancer dans la course aux bonnes affaires. Ça pourrait bientôt être une maladie. L'Organisation Mondiale de la Santé réfléchit à l'idée d'intégrer l'addiction aux jeux vidéo à sa liste. Selon elle, trop jouer sur console mobile ou ordi est susceptible de provoquer une dépendance réelle nuisible pour la vie sociale ou familiale. Si ce classement est officialisé, il permettrait aux accros du gaming à outrance de bénéficier d'un encadrement médical comme tous ceux dépendant à la cigarette ou à l'alcool. Du sport également dans l'actu avec le mercato d'hiver et ça bouge à Monaco. Très peu utilisé sur le Rocher, Soilio est prêté à Bordeaux jusqu'à la fin de l'année. On a également le départ de Derens Kongolo, le défenseur hollandais lui aussi arrivé l'été dernier à l'ASM et prêté à Huddersfield. Avec ses rennes, il n'a pas chômé. 10 jours après son passage, le Père Noël peut à présent se reposer. Enfin, pas tout à fait. Santa et compagnie est toujours à l'affiche dans les salles de ciné de Monaco Menton. Depuis sa sortie il y a un mois, la comédie d'Alain Chabat a attiré plus d'1 500 000 spectateurs. L'ex-nul endosse donc le costume du Père Noël qui a atterri à Paris à la recherche de 90 000 tubes de vitamine C pour soigner ses lutins tombés malades quelques jours de Noël. Et pour le tournage, l'équipe du film a dû composer avec l'humeur des rennes. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins sont tout lisses et j'ai un renne à plat à l'avant. C'est du suicide. Moi j'adore quand il y a des animaux. J'adore parce qu'en plus ça met une tension qui est assez saine parce que tu sais pas exactement ce que va faire l'animal. Donc tout le monde est hyper concentré et tout le monde doit être hyper calme. Parce que évidemment les animaux ils sentent encore plus que nous la tension, l'électricité, la peur, n'importe quoi. Donc ça met obligatoirement sur le plateau une espèce de truc finalement qui doit être très zen, qui doit être très calme, qui doit être très posé. On doit pas gueuler, on doit pas faire beaucoup de bruit. Donc tout le monde s'adapte en fait au rythme des animaux, je trouve ça... Enfin moi ça me va bien en fait. Propos recueillis par Nico Abed, Santa et compagnie donc toujours à l'affiche. Voilà pour votre actu, bon début de journée à vous. Bon réveil, bonne année. Mercredi aujourd'hui, le 3 janvier, bon réveil, soyez les bienvenus, je m'appelle Anto et avec moi j'ai ramené le meilleur de Manu dans le 6-9 avant le retour de Manu lundi matin avec tous ses ouin-ouin. Et bon, on se fait plaisir là jusqu'à 9h30, il y a le jeu des 5 mots là qui arrive, le meilleur jeu radio du monde comme tous les matins à 7h40. Avant ça, Martin Garrix, on va l'écouter, je l'avais promis, et puis avant tout ça, voici la suite du best-of. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. J'ai trouvé une liste d'aliments et c'est sur un site où les gens posent la question, est-ce que vous le mangez ou pas? Continuons. Okay. Le jus du yaourt, il y a dans la liste. Oh. Ah oui. Ok, d'accord, personne ne le mange. Ah. La peau du poulet. Ah ouais. Ah bah bien sûr. Oh. Ok, ok, calmez-vous. À la base. Oui, il y en a même qui mangent que la peau du poulet. La croûte de la pizza. Moi, je mange la croûte de la pizza. Alors. Alors moi, je mange que la croûte, tu vois, de la Quoi pizza. Moi, j'aime que les trottoirs. Et oui, moi, j'aime la pizza, mais je n'aime que les trottoirs. Le milieu, ça m'intéresse pas. Il y a trop de choses. Mais alors, attends, quand tu vas dans une pizzeria. Ouais. Quand tu commandes une pizza. Non, je commande pas de pizza, je mange les restes de mon chéri. Oh, c'est génial. Et qui est-ce qui vient ce soir au restaurant? Bah, il y a Glandu, il y a Nico, il y a Paulette et la poubelle de table. Je te demanderais de me respecter quand même. Sauf ton respect. Nico, c'est vrai qu'on peut partir en guerre avec l'Italie pour moins que ça. Hein. Si t'as une pizzeria, tu dis au mec, non, moi je m'en fous du reste. Filez-moi juste la croûte. Et pour vous, madame, ah mais moi je mange les restes de mon mec. C'est très bien. Et d'ailleurs, si vous pouvez mettre une gamelle par terre. Non. Mais non, mais
en plus c'est pas bien pour le restaurant, ils s'entendent avoir deux personnes, il y en a qu'une qui mange. Non mais du coup je prends un autre plat et puis je finis les restes de mon chéri. Donc en fait je suis une très bonne cliente finalement. Ah bah oui bien sûr, manger les restes de la pizza. Mais alors du coup il mange pas la croûte? Non. Oh, vous êtes... On est complémentaires. Vous êtes bien trouvé, ouais, Nico. Après ça va, tant que tu fais pas le tour des tables et que tu manges les croûtes des autres. Oh. T'es à table tranquillement et puis là t'as quelque chose qui gratte sous la table. Ouais. Le genou, tu dis, oh, ils ont un chien ici. Et là t'as, non, je m'appelle Laure. J'aimerais manger vos croûtes s'il vous plaît. Oh. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9.